Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Industria live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! On va pour normal. Si Arisi, on l'aurait pas touché. Mais on reste toujours au mode normal. Berlin, 1989, le 9 novembre. Vers 8h12, en Allemagne. Allô? Ici Nora. Nora, où étais-tu? Walter? Attends, je viens de rentrer du bureau et je me suis endormi sur le canapé. Je rêvais à des choses vraiment bizarres. Tu es toujours au bureau? Oui. Je vous ai vu partir, écoutez. Notre unité centrale du traitement Atlas est hors de contrôle. Je viens de découvrir des morceaux sur tous nos serveurs. Eh bien, éteins-les d'abord. Impossible. C'est déjà trop répandu, mais il y a autre chose. Les gens se rassemblent au poste de contrôle de Bottoms. C'est le train en train de se produire. Le camarade Chobosky a déclaré public que le mur est ouvert. Quoi? Ils ont fermé le bureau. Le stati si, déjà là. Ils sont en train de nous envahir, mais tout le travail, ça ne peut pas être en train d'être en vain. Nora, je dois arrêter Atlas. Attends, laisse-moi venir. On va trouver une solution. Non, je veux pas me mêler à ça. Je dois partir maintenant. Comment ça, tu dois partir? Walter, attends, arrête. Je t'aime plus que tout, Nora. Walter, attends. Walter, allô? Allô? Est-ce qu'il vient me raccrocher au nez? Trouver Walter, il y a quelque chose qui cloche chez Walter. Il dit qu'il doit partir. Je dois retourner au bureau en espérant qu'il y soit. Je dois vraiment chercher Walter. Ça, c'est Walter, ne plaisante pas. Qu'est-ce que c'est? A tangent resonance. It's not usually like that.
Where is everyone? Où est tout le monde? Bon, c'est pas clair, clair où on doit aller. Ascenseur, j'imagine. Est-ce que je rêve encore? Focus, Nora. Focus. Walter, t'es là? Il a laissé sa carte d'accès ici. Ça va être utile. Parfait, ça fonctionne. Liste des codes. Je vais prendre une photo de ça au cas où. Antoine n'est pas dans son bureau. Dirigez-vous vers la machine. Cher prof de Walter Rebell, j'ai l'honneur de vous annoncer que notre conseil scientifique a décidé de vous décerner le prix. L'innovation pour réalisation scientifique exceptionnelle de 1975, votre travail sur l'intelligence artificielle Atlas est inégalé, non seulement en République démocratique allemande, mais station nous avons. Nous attendons avec impatience vos futures réalisations, le prix de l'innovation pour réussite scientifique exceptionnelle, Gabriel Issam. Ok, j'ai trouvé la liste de codes. Je dois aller. Ah, c'est là.
Ok. 2309. Excellent. Les machines étaient rapidement arrêtées, et lorsque nous sommes entrés dans la chambre et avons regardé à l'intérieur, au centre de la chambre se trouvait le rat, mais son corps était déformé et sa peau était réarrangée. Sa structure osseuse semblait être irrégulière. Vous n'auriez vraiment pas pu deviner que c'était un rat. Je sais que cette machine est tout à fait brillante, et elle commence à montrer son mauvais côté. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça tremble autant? Walter, t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça part autant en vrille? Ah non! Ok, allez. Faites attention, je pense que oui. Allez, on prend l'échelle. Il y a une seconde échelle. Bon, on va monter le plus haut possible. Ah, ok. Tu l'as fait. Vas-y, dis-toi brillant.
Je viens te chercher, Walter. Tu ne peux pas me laisser ici. Je dois régler manuellement le protocole de sécurité. Erreur. Il l'a fait, il est entré dans la machine et Dieu sait où il est atterri. Mon Dieu, espoir maintenant, il a suivi l'intérieur. Pas un A. Oh, come on. Ça là, ça fait ça nu vert. Salut, Cake Bungie! Bien vert, lui.
Il y en a juste un qui vient vert. On a deux, ok. 5B, 1A, 2B. 2B, 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 2B. Ok. 3B. 3B, 3B. Enfin, maintenant, sors-moi d'ici. D'accord. T'as fait-tu drôle maintenant? Oh shit. Oh my god, is this right? Is this supposed to happen? Is this supposed to happen? Oh my god. C'est normal ça, c'est normal ça, oh mon dieu! Oh mon dieu, c'est quoi ce bordel? Oh mon dieu! Des putains de merde. Bon, on a réussi. Je vais jouer en mode. Ah, bah, c'est pas mon écriture. Bon, j'ai pas trop d'idée où aller. On a une porte ici. Fonctionne. Corridor 3, c'est bien. Pièce de théâtre. Tout seul. Y'a rien d'autre.
Take Bungie! Où suis-je? Quel est cet endroit, Walter? Walter? Vers la machine. Walter! Pavel de la salle de communication m'a remis un télégraphe ce matin. Le garçon était pour le moins anxieux. Dans sa main, le message en question, en attirant mon attention sur le papier qu'il a remis, j'essayais de comprendre ce qu'il regardait. D'où ça vient? Je demandais, mais le garçon ne savait pas. Le télégraphe l'avait craché ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a sûrement une poignée là-bas. Là. Cadavre. Une machine à sauvegarde. Ustensile. Qu'est-ce que c'est? À sauvegarder. C'est vide. Le pourtour, le papier se trouvait des mesures et des centres de diagrammes représentant une sorte de machine. Au total, 97 pages ont été imprimées. Tout montrant les composantes de la grande machine. Ce document était-il en destination de Velvelstad? L'avion? Avions-nous reçu par erreur? Un pic. Un choc, une pioche.
me refaire l'autre côté. An elevator. Ah, ça, peut-être un moyen de sortir d'ici. Maybe that's a way out of this terrible place. It seems to be missing power. Pas de courant. Je sais pas qui vous êtes, mais si vous voulez vivre plus de 5 minutes, vous devrez probablement dégager d'ici. Dites-moi comment. L'ascenseur a besoin de courant. Les machines à vapeur de l'autre côté de la porte, en dessous de moi, sont leur seul espoir. Hey, wait, wait, come back. Attendez, revenez. Salut, Miss Jess. Salut, Gabi Fou! Les batteries. Bon. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines. Donc, H3O4P. Faut le chauffer. L'apathie, faut le chauffer. Le propane. L'apathie. Donc, ce côté-ci, ce serait l'apathie. Et l'autre, ça serait le... Non, toi, j'ai pas... J'ai pas dit ça, moi... Ok. Il faut du H3O4P. H3. Peux-tu écrire ça? H3O4P.
Et y a-t-il quelque chose qui me le dit? À moins que... Si je fais chauffer ça, il devient... Merci, Gabi. Putain! Faut que j'arrête d'appuyer B! Ah, acide sulfurique. Je viens de comprendre. Salut, femme, ça va. Bon. Ammoniaque, eau lourde. C'est de l'acide borique. Oh, c'est ici qu'il doit aller. Et dans l'autre, c'est de l'acide sulfurique. L'acide phosphorique. L'acide phosphorique. Phosphorique, j'ai vu ça tantôt. Phosphorique. Borique. Lourde. Ammoniaque. Putain. Ok, c'est pas... Je viens de comprendre. Et je vais mélanger deux choses qui vont me donner de l'acide. Ça, là, tout de suite, ça va pas marcher. Là, je vais le faire bouillir. Bon.
Ici. Plus rien. On va prendre ça. H3. O4. Avec ça. Ces deux-là vont me donner que j'ai besoin. Donc. Ça. Ça. On fait chauffer ça ensemble. On va les inverser. Donc ici, on va mettre le vert. Et là, on va mettre le rouge. Et là, on y va. Non, c'est ça pis ça qui va faire ça. Et le problème, c'est que je dois faire ça. Dans de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est un mélange de quoi? On va dire que c'est un mélange de... ça. Et d'ammoniaque. Donc. On va les inverser. L'ammoniaque. Ça. Le problème, c'est quel j'ai mis en premier. Je sais plus lequel j'ai mis en premier. Et ça tombe en arrière. Si ça fonctionne pas, il faut que je le teste de nouveau. J'ai mis l'ammoniaque en deuxième. Et je vais mettre l'ammoniaque en premier. En premier. Putain. Ça n'a pas fonctionné, ça a pété encore.
Donc ça. Ça pourrait être deux de la même. Ammoniaque en deuxième. Ammoniaque en premier. On va essayer deux de même. Comment est-ce qu'on fait de l'acide sulfurique? Acide sulfurique. La base. Aucun rapport.
Hey, j'ai cru 2 secondes. Là, j'ai fait toutes les combos, là. Après ce site. Sauve des doubles. Rien. Ça va, Jess? Qu'est-ce que tu fais? Bon, ça c'était ma dernière solution. Pow, bon. Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas pourquoi c'est pas ces deux-là.
De l'acide sulfurique. H2SO4, c'est pas... C'est du H3, je comprends pas. Non, l'acide sulfurique, c'est quoi? Est-ce qu'on peut mélanger sans? Est-ce qu'il y a des fioles sans? De l'eau. C'est quoi de la pâtisserie, c'est quoi ça? La pâtisserie, c'est un PO.
Il y a d'autres sortes de stuff, c'est... Acide sulfurique. Tabarnak. C'est quoi ça? C'est nitrique. Je mets ça sur de quoi de rouillé. It's rusted over. Maybe I can find something to remove the rust. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Industria live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!